80% of humanitarian needs emanate from violent conflict. Two-thirds of all humanitarian assistance is provided to protracted crises. Facing such cycles of violence and need, what can be done to ensure that while addressing immediate needs, humanitarian response helps countries emerge from conflict in a sustainable way? La guerre nous a prouvé, mais la guerre nous a donné aussi la connaissance. Hata na ile msaada haiwezi, hatuna hiyo lazima me amani tu. In a project conducted together with local partners in three very different contexts, people talked with us about their experience of crisis and response. Dans l'ouest de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, après une dizaine d'années de rébellion et de violence électorale, la situation sociopolitique semble se normaliser. Et aujourd'hui, on est dans un contexte où l'assistance humanitaire cède graduellement la place à l'implémentation d'initiatives de développement. Dans le Nord Kivu, en République démocratique du Congo, l'aide humanitaire est fournie en réponse à la violence à répétition et au déplacement des populations qui s'en suivent. In Palestine, humanitarian assistance responds to the needs created by the continuing Israeli occupation and the intractable political conflict in which Palestinians struggle to achieve their rights. Although the situation is very different in each of these places, people nevertheless highlighted some of the same challenges and opportunities. We learned from them that one important way to help countries emerge from cycles of conflict and need is to take local capacities as a starting point. And we have seen that such capacities exist even in the midst of crisis. Concernant les enfants qui ont perdu leurs parents, il y a d'autres qui se sont séparés de leurs parents. On avait une sœur ici, paix à son âme, elle s'appelait Sigui Chantal, qui a eu cette idée et nous tous, nous sommes allés vers elle pour l'aider dans ce travail-là, à récupérer les enfants et s'occuper de ces enfants-là. Et c'est dans ça, UNICEF l'a aidé à soutenir ses enfants. En tant que fils de la région, en tant qu'enseignant, et les enfants n'allaient pas à l'école. Moi-même, j'avais mes enfants aussi qui n'allaient pas à l'école. Donc, nous, les enseignants, nous sommes retrouvés et nous avons décidé de la réouverture des classes. Okay. Ça, c'est sans l'aide d'aucune organisation. C'est vous-même qui avez décidé. C'est nous-mêmes qui avons décidé. Et nous avons approché les chefs rebelles pour leur demander que nous voulons ouvrir l'école. Nous avons fonctionné de nos propres ressources. Sans l'aide des humanitaires. C'est après 2-3 ans que ces études sont venues. Nous avons fait une opération de pression sur le gouvernement local. Nous avons réussi à faire 1,5 kg d'asphalte. Et ça, c'est avant 1967, pas un mètre d'asphalte dans les fourches, en 2015. Nous avons fait une opération de pression sur la santé du gouvernement local. Et nous avons réussi à l'obtenir. Depuis un mois, j'ai travaillé. These examples demonstrate that the resilience comes from the community itself. Capacities already exist from the local leadership and resources. It just needs to be enhanced and empowered. La manière dont l'aide est fournie est tout aussi importante que ce qui est fourni. Si vous ne capitalisez pas sur les capacités locales existantes et si vous ne faites pas de la résilience votre objectif, votre aide peut finalement s'avérer être préjudiciable alors que votre intention était bonne. تنمية بوجود الاحتلال صعبة. وتشعر أنت إنه هذه المساعدات موجهة. جاية لأهداف يعني إحنا بدنا نجي نعمل عندكم مشروع بالطريقة هاي. فش هالليش الملموس عند الناس يعني أنا بدي مشروع أقول إنه والله هذا المشروع نعمل مع المؤسسة الفلانية وهي ناجح وهي مثال وهي يحتذى. Kusema wakati wa ndugu walitoka kule mabilima walipofika hapa tuliwapokea na tukafanya hata mamichango kuweza kuwasaidia kama sisi wa population locale tukawasaidia walipopata ya kwabo aid sisi hatukukua concerné sio donc sisi tukaona kama basi wale wenyewe walikuwa cible nje wenyewe walipata wakati ONG international inakuya inafikaka kwanza ku niveau ya capitale capitale tairuhusu nao ipandie ku niveau provincial.
alafu huyu wa kusheferi hana droit ya kukatala byenye province na capitale bilisha baisha itika. Njoo nakutanaka tunaanguka mu mitego ya byenye bakubwa balisha approuvé kule jubiko na maintérêt soit tezavo. Si batakuya kutuambia banaambia tulishafika kichanga, tukaona kichanga kuko malnutrition, tukaona kichanga kuko violence, tukaona kichanga kuko sio watu abavale biato me wanakuya signer ku projet banaitika ile projet iko exécuter kichanga me bobo abajue kama est-ce que ni kweli bile bitu bilifanyika. Ce sont les structures qui viennent vers nous pour proposer leur service. En venant, ces structures ont déjà leur feuille de route, leurs objectifs, les zones d'intervention, la cible. Et donc, nous, on joue un peu le rôle de partenaire de mise en œuvre, faciliter l'exécution, un terme qu'on utilise beaucoup, l'implémentation. Le rôle attribué aux organisations locales était tellement faible que quand les organisations locales allaient dire « non, c'est notre chose que les gens nous envoient là, vous voulez vous ingérer là-dedans » et puis finalement, ça fait perdre un peu l'autorité ou bien la position des organisations locales. Nous avons vu concrètement sur le terrain que la façon dont les acteurs internationaux travaillent avec les acteurs locaux peut avoir des effets néfastes. Elle peut générer, cette façon de travailler, des tensions entre différents groupes, détériorer même les relations entre la population et leurs autorités, et parfois conduire à un sentiment partagé d'impuissance ou de dépossession de la part des acteurs locaux. Toutefois, nous avons vu que ces interactions peuvent générer des dynamiques positives. Des exemples d'initiatives réussies existent. C'est-à-dire dans ces exemples-là, les capacités locales sont valorisées et il y a une véritable synergie entre acteurs dans la prise de décision. Ce type de collaboration peut vraiment servir à catalyser des changements sociaux, mais nous devons veiller à ce que ces approches collaboratives deviennent plus courantes. Il y a trois types d'organisations. Il y a une organisation qui est en train de تحكي مع أهل البلد تعبي تقرير السلام عليكم برجعوش. الشق الثاني في مؤسسات إلها بصمة واضحة في الفوش، ولولا هاي المؤسسات صدقا خلينا نحكي إنه ما في فروش بيدجة وبنحصوا على أصابع الإيد هاي المؤسسات يعني اللي ساعدت في تثبيت الناس. وفي مؤسسات اشتغلت عنا على بناء القدرات، يعني اشتغلت مبدأ الضغط والمناصر وبناء قدرات. البعض اعتبرها نجاح انه وصلنا الصوت، لانه القضية كبيرة اكبر من السلطة فبدها قرار سياسي. من 2013 خلينا هيك نحكي لليوم، لا صار في يعني المشروع يجي بناء على احتياج. Je prends le projet de mise en œuvre d'AGR, activité générative dans les zones. Et dans les localités, nous avons déjà des comités, des groupes de femmes, d'hommes qui travaillent en association, en groupement. Le principe, c'est de pouvoir appuyer chacun dans la réalisation de son champ. C'est-à-dire, nous sommes peut-être cinq ici. Lorsqu'il s'agit de mettre en place, de créer mon champ, nous venons travailler ensemble. Ensuite, à tour de rôle, on apporte un appui à chacun pour pouvoir réaliser son champ. Déjà, cet esprit-là, comment on appelle, existe initialement. Donc quand le bailleur vient, il échange avec la population et se rend compte qu'il y a déjà cet esprit qui existe. La population le faisait sans appui. Donc le bailleur vient s'insérer dans ce processus-là. Du coup, même quand le financement tarde, la population déjà entame les travaux en attendant que le financement arrive. السلطانية بحاولوا يستولوا على الأراضي شوي شوي، فحث الناس وندف السماعة إنه الأرض يطلع عمرها، اللي فيش يبدوش عمر أرضه راح البلد يتعمرها وتأخذها للبلد، فحفز الناس هيك ونزل وطلعت البلد صارت تعمر في أراضيها شوي. في مؤسسات عرضت يعني حكينا مع مؤسسات وكذا فحكوا إنه إحنا بنساعدكم، فبلشنا يعني في عدة مؤسسات من 2010 تقريبا أكثر إشي لليوم ساعدونا. Les organisations nous ont appris à connaître nos droits. Moi, j'ai fréquenté, mais il y a certaines choses que je ne connaissais pas, que j'ignorais.
mais que j'ai découvert pendant ces formations-là. Chez nous, à l'Ouest, la femme n'avait pas droit à quelque chose. Même à parler publiquement, vous n'avez pas droit. Bien que tu es intellectuel dans la famille, mais s'il y a un problème familial, tu es là, tu ne fais qu'écouter. Tu n'as pas droit à la parole. Mais maintenant, à l'heure où je vous parle, nous avons droit à la parole. As the global community works together to find new ways of ending cycles of violence and need, improving collaboration will be fundamental. But how can we ensure that collaboration between internal and external actors in humanitarian action is meaningful, in that it builds on local capacities and strengthens resilience? Il est important de se rendre compte que la majeure partie du temps, lorsque une action humanitaire est implémentée, elle est implémentée dans un contexte de fragilité institutionnelle. Beaucoup de crises, beaucoup de conflits qui appellent à l'action humanitaire interviennent dans des contextes où il y a une rupture importante de la confiance. Une rupture de la confiance entre les communautés, entre les composants de la société, mais parfois et surtout entre les populations et leurs élites. Et donc il est important qu'une approche collaborative à mettre en œuvre dans le cadre d'une action humanitaire privilégie justement le rétablissement de la confiance. Parce qu'il est clair que les acteurs humanitaires ne sont pas des peace builders, mais ils peuvent travailler à renforcer une société, à la rendre plus résiliente au conflit, si justement elle travaille, si ces acteurs-là travaillent à renforcer cette confiance, à créer plus et mieux de liens dans l'implémentation de l'action humanitaire. La collaboration ne peut pas être une fin en soi. La finalité, c'est le renforcement des mécanismes locaux de solidarité, de cohésion et d'autonomisation. Nous devons donc nous assurer que la réponse humanitaire ne détruit pas le tissu local de la résilience. شان الناس تصمم مش معقول انه انت تجي من اي مؤسسه انه احنا بدنا نضل عايشين على انه خذ هال جنيت هالميه نقطه بحلها لا احنا بدنا نعمل شيء مستدام يعني انا بدل ما تجيب لي سمكه علمنا اصيد السمكه